Donc, une grosse journée excitante aujourd'hui. Ben, en fait, ouais, je commence par une activité pas excitante du tout, faire ma comptabilité. On est vendredi, puis à chaque vendredi, je comptabilise mes dépenses, mes revenus, je rentre ça dans QuickBooks pour mon entreprise. Je fais ça chaque vendredi, ça allège énormément au bout du 3 mois quand vient le temps de faire mes taxes trimestrielles ou mes impôts à la fin de l'année. Avant, j'étais du genre à faire ma comptabilité comme aux 3 mois. Puis oh my god, je me faisais vivre un calvaire. Ensuite, à 11h30, j'ai une entrevue par Zoom pour un projet, un enregistrement pour une émission jeunesse qui va passer à uni.tv. Ça se passe à Winnipeg ou Manitoba. Puis si je suis sélectionnée, je partirai la semaine prochaine en avion pour le tournage là-bas. Enfin, en tout cas, c'est très cool. On dirait que ouais, j'ai comme souhaité ce genre de projet-là dans ma vie. Et là, ça arrive, puis je suis comme, oh my god, ok, là, genre, ça m'excite. Je m'ennuyais un peu, tu sais, de prendre l'avion sur un coup de tête, puis genre, débarquer dans une ville que je connais pas pantoute, puis comme, aller découvrir des gens, puis faire des nouvelles affaires. C'est une grosse sortie de zone de confort, mais il y a la petite aventurière à l'intérieur de moi qui tripe sur ce genre d'aventure-là, justement. On verra, je croise mes doigts. Tant mieux si je suis sélectionnée. Si je suis pas sélectionnée, tant mieux aussi. Dans les deux cas, c'est juste... on verra. Dans les deux cas, je vais être contente, tu sais. Ensuite, en après-midi, on s'en va au musée à Repentigny. Je m'en vais voir une exposition. Ça s'appelle Henriette Valium sans ordonnance. C'est l'artiste Patrick Henley qui est décédé, je crois, en 2021, si je me trompe pas. Puis en tout cas, c'est comme des œuvres un peu comme... De ce que je comprends, c'est comme un bédéiste en lien avec l'art underground. Puis de ce que j'ai vu, ça fait très foufoune électrique, là. C'est un bar ici qu'on a à Montréal. Puis c'est ça, c'est très comme punk, graffiti, dessin, bande dessinée, genre, ça a l'air cool. Fait que on s'en va voir ça cet après-midi. Je suis bien excitée aujourd'hui, il fait tellement beau. Puis en soirée, ben, je reçois mon chum à souper. On va se faire une bonne petite pizza, puis on va écouter nos émissions ensemble. C'est comme notre petite routine le vendredi. Et là, pour bien commencer cette magnifique journée, je vais me mettre une vidéo que j'ai faite en lien avec l'abondance, pour attirer l'abondance dans sa vie. Puis je vais vous montrer un peu comment que je la fais. Donc vous pouvez aller la voir, c'est Attirer l'abondance, c'est une vidéo d'affirmation positive sur ma chaîne principale. Puis c'est ça, c'est une petite vidéo de 10 minutes 30. Et moi souvent j'aime ça la faire en faisant du tapping, ok? Le tapping, je vous ferai peut-être une vidéo pour expliquer c'est quoi, mais c'est comme des points d'acupuncture que tu vas venir comme stimuler en répétant des phrases. Puis c'est comme si ça te programmait genre pour la journée à venir. C'est comme ça change ton énergie, on dirait, puis ça te met dans un boost vraiment optimal, j'ai envie de dire. Fait que c'est ça, là, tu te répètes des phrases positives. Puis j'ai fait une vidéo, justement, avec plein de petites phrases positives pour attirer ça. Fait que je veux juste comme vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Je me connecte à l'énergie d'abondance. Je me connecte à l'énergie d'abondance. J'attire l'abondance dans tous les domaines de ma vie. J'attire l'abondance dans tous les domaines de ma vie. Je crée pour le plus grand bien de tous. Je crée pour le plus grand bien de tous. Je me libère de toutes mes peurs. Je me libère de toutes mes peurs. J'avance avec amour et sérénité. J'avance avec amour et sérénité. J'inspire la confiance. J'inspire la confiance. J'imagine le meilleur pour moi et pour les autres. J'imagine le meilleur pour moi et pour les autres. Je fais toujours les choses avec le cœur. Je fais toujours les choses avec le cœur. Prenez le temps de vous remercier pour ce moment que vous avez choisi de vous offrir, en espérant que vous avez aimé votre moment. Merci la vie. Namasté.
J'adore cette vidéo-là que j'ai fait, là, pour vrai, là, c'est comme... Oh, je trippe. Ça, je fais pas sous forme de tapping à chaque jour. Des fois, je le fais juste comme une méditation. Quand je me maquille le matin, je mets ça. Puis ça, c'est ça, ça fait juste du bien. Donc, je vous invite à le faire, juste à essayer. Si ça vous fait du bien, tant mieux. T'sais, si c'est sûr, si ça vous fait pas de bien, comme faites-le pas. Ben, ça vous fait du bien, comme je verrais pas pourquoi il faudrait s'en priver. moi, je conseille de le faire le plus souvent possible, à chaque jour. Surtout dans des périodes où on doute de soi, dans des périodes où on a besoin juste de se parler avec amour. Je trouve que c'est une bonne manière de le faire. C'est une bonne pratique à intégrer à sa routine. Donc voilà, tu sais, moi c'est juste un petit 10 minutes puis je me sens déjà mieux, puis on dirait, tu sais, c'est ça, c'est fun de dire des belles affaires. Souvent on attend, tu sais, à l'extérieur des compliments ou comme de la reconnaissance, mais c'est bien de se l'apporter à soi-même. Ça nous pose ça nous met dans une position d'indépendance, tu sais, au lieu de dépendre tout le temps, tu sais, de gens de l'extérieur. Fait que en tout cas, c'est un petit truc que je vous conseille de faire, d'essayer du moins, puis vous m'en redonnerez des nouvelles! Step 1, wake up, really gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think grow hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Voilà! Wake up. C'est fait, la comptabilité! Je suis à jour! Mission accomplie! Il est présentement 11h15 et là je vais juste comme m'installer devant mon ordi pour me préparer pour mon entrevue. Yeah! J'ai fait du ménage ce matin parce que j'étais due. J'ai tout lavé mon divan, j'ai tout lavé mes coussins, j'ai fait tout ce que j'avais à faire ce matin. Ça a vraiment été une avant-midi super productive. Je voulais vraiment comme me garder toute l'après-midi là, pour vraiment jouer, m'amuser, puis pas être stressée en me disant « Oh mon Dieu, faut que je fasse ça quand je vais revenir du musée, puis là, revenir vite parce que faut que je fasse de quoi. » Ça me tentait pas, fait que je me suis comme toute dégagée de ça. Fait que là, ça me reste un petit 15 minutes pour chiller, puis après ça, c'est mon entrevue! J'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Le numéro de la réunion n'est pas valide. Pourquoi? Installation des mises à jour. Hey, ça va bien, faut que j'installe des mises à jour. Bon, fait que là, elle est censée me renvoyer un lien Google Meets, finalement, parce que Zoom a dit que ça marche pas. One eternity later. Je suis vraiment découragée, là, ça fait une heure là, qu'on essaie, puis que ça bug. Genre, Zoom, c'est de la calisse de marde. 2000 years later. Guys! Ça a marché! J'ai pu parler enfin via Zoom. On a réussi à avoir la connexion, à avoir le son. Je m'envole la semaine prochaine pour le Manitoba. Je m'en vais à Winnipeg. C'est vraiment un aller-retour. Là. Je pars le 28, je reviens le 29. Fait que là, c'est ça. Tout ça m'a vraiment comme retardé un peu dans ma journée. Là, il est 1h45. Moi, je voulais aller au musée comme pour une heure. Je vais me préparer, je vais sortir quelle heure, puis on va y aller. Alors, voilà mon petit look pour aller au musée. On gèle dehors, mais j'ai juste mis ça parce que ça me tente pas de traîner mon manteau dans le musée. La saucisse, ça se fait griller au soleil. Je t'aime. Fait que c'est ça, depuis tantôt je suis sur un rail, puis là, ça me fait du bien là, juste d'être dans mon auto, puis... comme d'avoir comme seule et unique mission de conduire. Fait que je suis bien excitée. Puis c'est tellement drôle parce que, genre, je souhaitais là, qu'il arrive quelque chose comme ça dans ma vie. Comme, c'est genre, ok, ça me prend une surprise. Ça me prend quelque chose qui va me faire sortir de ma zone de confort. Ça me prend comme un tournage. Ça me prend quelque chose. C'est genre, je veux être invitée à quelque part. Puis là, j'arrêtais pas de me dire, Colin! Dans le temps que je me faisais inviter dans des émissions, dans des talk shows, puis qu'il fallait que je prenne l'avion genre pour aller en Alberta ou genre à Toronto, c'est comme si je prenais ces privilèges-là pour acquis. Puis j'étais comme, Colin, j'ai hâte que ça me réarrive, puis pour que je puisse plus l'apprécier, pour que je puisse être plus comme dans la gratitude
dans la reconnaissance, tu sais, puis juste remercier l'expérience, remercier, tu sais, peu importe de la manière que ça se fait, mais remercier l'invitation, tu sais, puis pas prendre ces expériences-là pour acquis, ces privilèges-là pour acquis, parce que c'est un esti beau privilège, tu sais, c'est hot, là, d'être invité comme ça, toutes dépenses payées, c'est vraiment cool, tu sais, moi, ça me fait un petit voyage, genre, très... très rapide, là, tu sais, on s'entend, c'est comme un aller-retour, mais c'est cool, tu sais. Puis on dirait que j'avais besoin de ça, comme une petite aventure, puis on dirait que je me suis ouvert à ces occasions-là, ces opportunités-là, puis là, ça arrive, puis je suis comme, waouh, merci, là, tu sais, c'est cool. J'ai pas eu à rien forcer, c'est juste, c'est arrivé, j'ai juste eu à dire oui, tout se met en place, en plus, moi, ça me paye, ça me donne de l'argent, puis tout est, tu sais, tout est chill. Genre, tout est cool. Je vais prendre l'avion, tu sais. C'est ça que je me disais, comme, il y a 4 jours, littéralement. J'étais comme, ah, j'ai hâte de reprendre l'avion. J'ai hâte. Ça me manque de plus partir sur une fly de même, tu sais. De plus partir comme... J'ai besoin de petits trucs spontanés comme ça. Puis ça tombe parfaitement, genre. Puis tu sais, je m'en fous si c'est comme pour remplacer quelqu'un qui a annulé dernière minute. Parce que, tu sais... Je veux dire, c'est weird, tu sais, qu'il se cherche quelqu'un comme ça, comme littéralement 5 jours avant le tournage, là, tu sais. Fait que je suis là, probablement, oui, pour remplacer quelqu'un, mais comme tant mieux, tu sais. Puis merci à la personne qui a pas pu y aller, puis genre, tant mieux pour moi. Je vais tirer aux cartes, tu sais, c'est vraiment pour parler de mon travail, parler de ce que je fais en tant que, tu sais, comme tarologue, genre. Fille qui fait du contenu en lien avec le tarot. Fait que tu sais, c'est comme quelque chose de nouveau. C'est vraiment cool. C'est comme une renaissance. Genre, je sais pas comment l'expliquer. C'est comme, hey, voici la nouvelle version de moi. Genre, voici ce que j'ai à proposer maintenant. Je trouve ça cool. La capacité que j'ai à me réinventer tout le temps. Je trouve que c'est une belle force que j'ai. C'est hot parce que tu sais, dans le dernier vlog, c'est genre dans le dernier vlog que je disais, tu sais, j'économise pour mes projets, genre, puis je réalise, tu sais, mes objectifs, puis je mets de l'argent de côté pour le détartrage de Killer. Puis là, tu sais, on dirait, je suis comme, je m'en vais à Winnipeg chercher du cash. Tu sais, pas juste ça, mais ça vient avec l'expérience. Mais c'est comme, je vais pouvoir payer le détartrage à Killer plus rapidement. T'sais, après ça, tu sais pas qu'est-ce que ça peut débloquer, t'sais, cette apparition-là à la télé. Peut-être que ça peut amener sur autre chose. Puis, tu sais, on sait jamais la vie. Mais là, on dirait, je l'ai juste vu comme une belle ouverture, un beau cadeau, une belle possibilité. Tu sais, quand même facile, là. Je veux dire, j'ai déjà fait des entrevues bien plus difficiles que ça, genre avec Richard Martineau. Mais ça, c'était comme au franc-tireur, là. Tu sais, ça a été ma première entrevue à vie au franc-tireur. Puis je pense que quand tu vas là, quand tu passes par l'intervieweur Richard Martineau, je pense qu'après ça, tu peux tout faire. En tout cas, c'est ma façon de penser. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up! Ben voilà, on est arrivé. On s'en va au musée. Today's gonna be a good day. Wake up! Today's gonna be a good day. Wake up. 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 Today's gonna be a good day. So life ain't easy, yo. I think there's a reason, though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flaws, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost.
now, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. One day at a time, it's how you operate a cadence. A flow, you grow, you show yourself a foundation. Stay away from all the shit that causes temptation. I know that I like to do it cause it's sensation. I live my life in my head like a narration. Don't expect greatness, do my best, man, I'll take it. Wake up, today's gonna be a good day. 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 J'ai frette, je viens de sortir. La lune, elle est merveilleuse. Oh, je viens de me faire mal dans le cou en faisant un faux mouvement. Oh. Ouais, c'est con là. Je voulais juste aller chercher ma ceinture, puis genre ça a bloqué. Oh. Ok, on va éviter de faire des mouvements brusques. Ça va. Ouh, ok. Enfin, j'ai frette là, je suis genre toute crispée. Ok. Donc, vous voulez mon review de l'exposition? Ça commençait bien, j'étais comme waouh, des belles œuvres. Puis il faut que tu fasses l'exposition, il y a comme un ordre chronologique, il y a comme une. Pour voir comme l'évolution de son art. Puis il y a un moment donné où j'ai pogné comme un 2 minutes, j'étais genre. Ok, là, je me sens pas bien. Genre, je me sens vraiment pas bien. Et à un moment donné, on dirait que je m'en allais m'évanouir parce que son art, ou en tout cas, c'est très dark, c'est très violent, c'est super vulgaire. Puis, évidemment, tu sais, en tout cas, moi, on dirait que je vois ça comme un gros appel à l'aide. Ce genre de. D'art là, puis tu le vois, genre plus son art évoluait, plus ça devenait comme sombre, noir. Ouais, fait qu'on dirait que ça me faisait sentir juste comme pas super à l'aise, pas super bien. Puis il a fallu que je m'assoie là, vraiment comme à 3 reprises pour juste comme me calmer parce que c'est ça parlait beaucoup de suicide. Des idées noires, tout ça. C'est quelqu'un qui clairement avait des problèmes de consommation. Vers la fin d'exposition, tu découvres que ça allait faire comme 13 ans qu'il était à jeun, faisait partie des alcooliques anonymes. Fait que tu sais, c'est sûr que tu ressens son parcours, sa vie difficile. Puis c'est ça, il a fallu un moment donné que genre. J'étais comme, je vais m'évanouir. Je me sens pas bien. Puis tu sais, c'est ça un peu le but de son art, genre de dénoncer la société, de dénoncer des affaires qui ont pas de bon sens. Puis tu sais, c'est écrit souvent, genre que lui se sentait comme un peu extraterrestre. Puis à ce niveau-là, je le feel, tu sais. Puis lui, c'est sa manière de canaliser, tu sais, ses problèmes à travers l'art. Fait que tu sais, c'est ça que tu constates, c'est ça que tu vois, ses problèmes, genre. Mais tu peux te perdre longtemps là, dans ses œuvres. Puis c'est ça, à un moment donné, c'était comme étourdissant. J'étais comme, qu'est-ce que je suis en train de vivre là? Fait que c'est ça, c'était comme très confrontant. Puis c'est ça, il y a des œuvres que j'étais juste même pas capable de regarder parce que ça m'étourdissait. J'étais comme, ah, il y a trop de détails. Puis là, tu sais, des mots genre plot, pute,
viol, vulgaire, des sacres. Puis tu sais, moi d'habitude, ça me choque pas ces affaires-là, mais on dirait dans ce contexte-là, j'étais comme ouh! Ça faisait très foufoune électrique, là, tu sais, le bar, là, si vous connaissez ça à Montréal, là, tu sais, vraiment trash. Puis moi, c'était ma place là, quand j'étais plus jeune. C'était mon bar, là. J'adorais aller là. J'aimais l'ambiance. Fait que, tu sais, je sais pas si la version de moi d'avant aurait peut-être un petit peu plus apprécié ses œuvres. Mais là, on dirait. je sais pas, on dirait que ça m'a vraiment abaissé. Ça m'a comme. Ouais, ça m'a drainé de l'énergie. J'étais genre. Oh, play, ça allait pas bien, hein? On dirait que c'est ça, ses œuvres, c'était comme juste un gros appel à l'aide. Puis j'étais comme, Colin. C'est fâchant de regarder ça, tu sais. Fait que. C'est ça, mais je suis quand même contente d'y avoir été. Mais c'est pas mon genre. Le genre d'art, tu sais, qui me stimule ou qui me donne envie de créer. Tu sais, on dirait que ça me donne juste envie de. Ouvrir les veines, genre, pis c'est comme pas vraiment le. Ce que je recherche vraiment. Fait qu'en tout cas, je suis quand même contente d'y avoir été, là. Je m'en vais à la maison, je suis dans le trafic et je m'en vais dégeler ma pâte à pizza. Parce que ce soir, c'est pizza, baby! Celle-ci a beaucoup de basilic. C'est la fin du vlog. Je ne m'éterniserai pas pour la conclusion. Je suis super fatiguée, il faut que j'aille dans la douche. Je veux juste aller me coucher. Fait que c'est ça. J'ai passé une super belle journée. J'ai passé une super belle semaine. Ça a été une belle semaine remplie de belles énergies. C'était cool. Merci d'avoir écouté le vlog jusqu'ici et j'espère que vous l'avez apprécié. Donc ouais, je suis bien excitée. La semaine prochaine, c'est sûr que je vais vlogger mon séjour à Winnipeg. Je suis bien excitée de tout ça. Donc un gros merci d'avoir été là et on se revoit très bientôt.